Mes camarades, mes sœurs, mes frères d'armes. À l'heure où je vous parle, l'ennemi est en position. L'œil aiguisé, l'esprit affûté. Il a un plan, une feuille de route. Oui, l'ennemi est là! Plein nord. Et tapis dans l'ombre, il rôde. Mais s'il veut de la chair, nous allons lui en donner. Puisque ces terres où il attend alerte, ce sont les nôtres. Nous en connaissons les chemins pour les avoir tracés à la sueur de nos fronts. Nous en connaissons les recoins pour les avoir défrichés. Nous en connaissons les secrets pour les maîtriser. Nous avons l'avantage, nous tenons les rênes. Soyez rusés, avancez à couvert pour ménager la surprise. Oui, marchons ensemble, mes valeureux soldats. Défendons l'honneur et la fierté de notre patrie. Et servons, par nos cœurs et nos corps engagés, notre noble cause. Aux armes ! Signifie habiter son corps par le déguisement,
Par le costume? Ou bien faut-il, selon toi, passer par des courants artistiques, des esthétiques, des images et des sensations de corps pour t'approprier l'espace scénique de quelqu'un d'autre, afin d'accéder à une autre présence que la tienne? Enfin, entrer dans l'espace de la danse, dissocié de celui de la vie quotidienne, prend-il sens pour toi à partir du moment où tu entres dans l'espace de toutes les directions, où tu entres dans des matières, où tu songes à l'eau, à l'air, à la lumière, à des qualités d'espace compact, doux, dense, à toutes ces sensations palpables? Que toutes ces entrées soient pour toi des façons d'accéder à des tonalités différentes, de venir colorer, dessiner, tracer, d'en faire vibrer la lumière. Que tous ces tracés composent des scènes, dessinent des tableaux, proposent des images. Toutes comme des entrées dans un univers. Le tien, le leur, le nôtre. L'entrée sur scène, ses modalités, sa dramaturgie, ses caractéristiques. Moi, avant de monter sur scène, je pensais à elle à chaque fois. Entrer en scène sur un plateau nu, c'est pour l'interprète se jeter dans le vide, apparaître seul dans un espace et faire exister cet espace par son corps. C'est assumer un régime de présence particulier et s'exposer tout entier face au spectateur. Je vois son visage, j'entends ses conseils, ceux qu'elle me répète depuis des années. Elle est belle. Franchissons la limite. Elle a toujours été là pour moi. Comme une ligne de départ. Elle m'a toujours aimée. De l'invisible au visible. Elle a toujours voulu devenir danseuse. Depuis l'âge de 7 ans, elle n'a jamais changé d'avis. C'était vraiment une passionnée. Et c'est toujours une passionnée. Du hors-scène à la scène, des coulisses au plateau, du monde des morts à celui des vivants, si l'on en croit le théâtre No. La vie a fait qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve. On l'a pas laissée. Aujourd'hui, elle m'offre la possibilité de devenir ce qu'elle a toujours voulu être. Et son rêve, c'est le mien aussi. Cette entrée signe définitivement le passage d'un univers à l'autre. La façon dont l'interprète foule le plateau dès ses premiers pas qualifie l'espace, le fait exister, lui donne sa nature. Quand je danse, c'est pour elle. Et quand elle me voit danser, je sais qu'elle danse aussi. Je pense à elle à chaque fois. Je vois son visage, j'entends ses conseils, ceux qu'elle me répète depuis des années. Elle est belle. Entrez.
Une entrée sexy. Une entrée intense. Une entrée cheveux. Une entrée savon. Une entrée chutée. 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 Une entrée triplette. Une entrée Lucina. Une entrée minimale. Une entrée dramatique. Une entrée lyrique. Une entrée grandiose. Une entrée hésitante. 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 Le paradoxe. Contradictoire. Entrer ou ne pas entrer. Un espace de jeu. Tension.
Exaltation. Entrer ou ne pas entrer. Je me sens agitée. C'est de l'agitation. J'ai plein d'idées, de pensées, de réflexions qui sont là, qui me parcourent. Elles sont à côté de moi, à l'intérieur de moi, devant, derrière. C'est jamais, c'est toujours là. Et ça me quitte jamais. C'est encore là, c'est jamais, incessant. Et ça se cesse jamais. Et c'est là, et ça me parcourt avec plein de questions. Toujours la même ritournelle, une véritable fourmilière. Avec beaucoup de bruit, ça me demande pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça? Et comme je sais pas y répondre, alors j'attends. Just as long
just as long as you stand, stand by me. Oh darling, darling, stand by me. Le rideau se ferme. Une création ne serait-elle pas une entrée? Place au plan principal. Une entrée, un dessert.